sais que le jour va arriver où à mon tour je serai chevalier. Et à ce moment-là, je sauterai tout le temps dans le tas. Mais d'ici là, je sais que j'ai pas le choix. Mais d'ici là, je ferai ce qu'on attend de moi. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Xavier. Émile Blondiot, il est l'ambassadeur de la musique canadienne au festival Aurore Montréal qui a lieu en ce moment à Paris. Un festival créé en 2013, hein, son objectif être un trait d'union musicale entre la France et le Québec. C'est le festival idéal en effet pour voir des artistes canadiens confirmés, mais surtout découvrir les talents de demain. C'est jusque jeudi prochain dans plusieurs salles parisiennes. Et parmi les artistes incontournables cette année, on peut citer Diane Dufresne, grande dame de la chanson québécoise, Salomé Leclerc ou encore Louis-Jean Cormier, pour qui c'est les échanges musicaux entre la France et le Canada sont primordiaux. Quand on écrit une chanson, c'est comme mettre un enfant au monde. On a envie que cette chanson-là voyage, fasse le tour, puisse fédérer le plus possible, puisse rejoindre le plus grand nombre de gens. Et c'est sûr que l'artiste francophone québécois se pose des questions, se dit, moi, qu'est-ce qui me reste? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste au Québec? Et je vis très bien de ma musique chez nous, mais j'ai envie que ces enfants-là, dont je parlais tout à l'heure, puissent voyager, puissent grandir, rayonner partout dans le monde. T'as le pied sur le frein. Allez, Xavier, en plus d'Émile Bilodeau et Louis-Jean Cormier, je vous ai sélectionné d'autres coups de cœur à découvrir lors de ce festival. On commence avec Kiri Christmanson, une chanteuse aux sonorités pop et électro. Nicolas, un autre coup de cœur, la Montréalaise Dominique Fils-Aimé. C'est une chanteuse originaire d'Haïti. Elle a été nommée Révélation Radio-Canada 2019-2020 dans la catégorie jazz et elle a sorti son second album cette année. I got all over you, over you. Et puis changement d'univers pour mon dernier coup de cœur, c'est un artiste électro, il s'appelle Millimétrique.